wani abin shi gashi kana hudin shi zancin azuccin ga kana yi na ciwo ne zubar makari ina cikin cuta ina da cuta a duhu nake ni dai daga wannan kawai aihuwa nan da aka yi dadin wannan karin nan da aka yi daga shine mun sani ba kawai daga shine da na aka kwambiyin wannan da aka daga ni nan aka gani ka ce ko ta dadiyan nakuda an sha ta dadiyan nakuda la fistule c'est un trou qui communique la vessie ou le rectum avec le vagin donc en ce qui concerne la fistule vésico-vaginale surtout du moment où il y a un trou, il y a toujours un écoulement en permanence des urines. Les urines s'écoulent en permanence. Alors la femme est complètement mouillée, humide. Et il y a les odeurs des urines donc, qui l'entourent. Elle survient pendant le travail d'accouchement. Le plus souvent, c'est un travail qui est bloqué, qui a duré plusieurs jours. Je ne vais pas vous dire deux jours, trois jours en train de faire le travail d'accouchement. Et pourquoi les femmes vont rester 48 heures? C'est parce que souvent, elles n'ont pas accès à ces formations sanitaires parce que c'est loin. Et souvent, elles n'ont pas la décision, elles, d'aller consulter au centre de santé parce qu'il faut que quelqu'un leur donne l'autorisation, que ce soit le mari ou le père, etc. Maintenant que la femme vient aussi au niveau de la formation sanitaire, qu'il n'y a pas la compétence à ce niveau pour prendre en charge ce blocage du travail parce que c'est bloqué. Et tout ça aussi, dans notre contexte, c'est que les femmes sont mariées très jeunes. Très jeunes, ça veut dire que leur bassin n'a pas fini de grandir. Donc du coup, il est relativement rétréci. S'il y a un enfant qui est de poids normal, il ne pourra pas sortir. Sunana Habibia. Shekaru na 17 ya kawo da dare aka ta yi likita ya kawo da kwan guda ba aihu muka ta yi likitar wushi aka kwan guda ba aihu muka ta yi likitar zandar muka je aka mu kare aka huddu da amince kayan lokacin gida ya yi sai muka ga abu yana zuba muna cewa ruwa-ruwa ne mun sani ba loko samu matsala na ce ta zubar hutsari kan ga abu ya ɓace ko gashi ku a ba kawai wani in yi samu wannan kudi wancan ta lalace ta ɓace shi kenan kawai har abu da ta ake bakta gyaruwa a ta ake ba a warki ya ta ake na da le traitement peut même ne pas être chirurgical Il y a des fistules qui sont simples, petites. Lorsqu'elles sont vues très tôt, souvent il suffit de placer juste une sonde. Mais il y a la chirurgie également. Quand on voit qu'une fistule est assez grosse, et assez grande, eh bien, ou en fonction de sa localisation, on sait qu'elle ne peut pas guérir par sonde déjà. En ce moment, donc, on fait une préparation pour faire l'intervention chirurgicale. Le jour de l'intervention, il y a une équipe qui la prend en charge. Nous, on les opère toujours sous anesthésie loco-régionale. On ne fait pas d'anesthésie générale. Elle les opère toujours éveillées, donc on cause avec elle. Si elle a des problèmes, elle peut lui dire et on agit. L'opération consiste tout simplement d'abord à décoller le vagin, le disséquer, pour avoir la vessie nette, voir le trou de façon nette. En ce moment, on fait une couture comme on le fait, comme le tailleur le fait, avec notre fil à nous, bien sûr, une fil stérile. Quand on finit également l'intervention, on met une sonde qu'on garde à deux mères. Il y a là une sonde qui draine les urines. On leur donne des rendez-vous de suivi. À partir de 6 mois, si elle urine normalement, il n'y a pas de fuite, en ce moment, on atteste qu'elle est guérie.
Les femmes qui sont victimes de fistules obstétricales sont des échappées de la mort. Ce sont des femmes qui ont, au fait, failli mourir. UNFPA investit dans le domaine de la fistule obstétricale en appui au gouvernement du Niger. La mise en œuvre des actions se fait sur le terrain à travers des ONG nationales qui font partie de la société civile du Niger, mais sous la direction du ministère de la Santé publique. Nous avons la prise en charge curative, mais aussi nous avons un centre d'accueil et de réinsertion des femmes atteintes de fistules. C'est pour faire en sorte que la femme d'abord soit occupée, donc qu'elle comprenne sa maladie à travers les activités d'animation et de séances de sensibilisation qu'on mène au niveau même du centre. La femme est accompagnée par des agents de santé, notamment l'infirmière, l'assistante sociale. En tout cas, elles sont préparées sur le conduit à tenir après la guérison. L'ONG mène des séances de sensibilisation dans des villages. Donc l'ONG identifie les villages les plus touchés par la fistule obstétricale et l'équipe de l'ONG se déplace pour aller parler des causes de la fistule, des moyens de prévention. Et maintenant, ça permet aussi à l'ONG de faire en sorte que les populations s'impliquent davantage. On a aussi l'habitude d'impliquer les radios communautaires avec lesquelles on prépare des séances de diffusion de messages sur la fistule obstétricale. En même temps, nous arrivions aussi à impliquer les femmes victimes de fistules guéries. Et là, après donc, la guérison, nous identifions quelques femmes pour qu'elles soient des femmes qui servent de relais au niveau des communautés, dans leur village. Sama yamar yarra borga ma hankan ni manama ni mo kan go yamar ote ni gudu borfo yan kan ga sanni yanci kan ni manama chifu. Suna na Sauda Sanda. A sa'adin nake da wannan ciwo rayuwa ta ba ta da dadi, rayuwa ta ba ta da kuma rayuwa kuma yan uwana ba ta da dadi, rayuwa abokan zama na suna gina ba ta da dadi. Na gida baya ba gobe sai ya saki. Tunda wanga ciwo doya a zamana da shi wurin ɗan miji in ba wanda ya imani ga Allah wanda ya ce yana iya wanda ya doki mutunci. Wanda ya rike amana. Ana zaman duniya da shi. Akwai wanda suka rike amana ka rike mutunci doki mutunci akwai wanda suka saki. Suka yadda mutunci. Une fois la femme a la fistule, souvent elle est victime de certaines conséquences sociales. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui sont abandonnées par les maris. Maintenant, l'abandon continue jusqu'aux membres de famille, de la famille et même du point de vue communautaire. Parce qu'une fois la femme à la fistule, elle ne peut pas participer à certaines cérémonies. Parce qu'elle est un peu stigmatisée, elle est rejetée. Avec la fistule, elle perd ses statuts. Et maintenant, la réinsertion que nous faisons vise à faire en sorte que la femme qui a perdu sa dignité au départ puisse retrouver cette même dignité après la guérison. Donc on va avec la femme au niveau de la communauté pour d'abord l'accompagner, lui présenter la femme, lui dire que la femme est complètement guérie, elle peut reprendre sa vie conjugale normale. Maintenant, on profite aussi de cette même occasion pour organiser des séances d'animation et de sensibilisation sur la fistule.
da manyan da suka roko ni gida ana murna ta nazo ni habibu ta zo ta yanzu rayuwata inda nake ganin ta kawai ta komo irin ta da zan yi rayuwa mai dadi kuma tunda na rigi na san lahi Maintenant, c'est aussi une occasion pour nous, toujours avec l'appui de l'INPI, de donner un fonds à la femme. Et ce fonds, c'est juste pour qu'elle puisse avoir un fonds de démarrage d'une activité de la société de revenus à son choix. Taimako aka ba mu na jika 50-50. A lokacin nan na so su bi ne aka so su jika 45. Na ji to dadin haka nan. Notre investissement, c'est au fait pour, d'une part, fournir un traitement aux femmes pour qu'elles puissent accéder à la chirurgie. Deuxièmement, également, pour voir dans quelle mesure on peut les aider à se réintégrer dans la communauté d'où elles viennent, puisque ce sont des femmes qui ont beaucoup souffert, des fois qui ont été mises de côté par leur mari, leur communauté. Donc c'est un traumatisme aussi bien physique que psychologique. Donc notre appui voudrait aider ces femmes justement à regagner leur dignité pour que ces femmes puissent réintégrer leur vie.